depuis un papy. Je remets sa main, il sait pas si c'est son ou pas. Bibi et musique à la porte, tu vas bouffer tes couilles. Pas de vrai dire que je viens mettre le niveau de tes. Tu capes le pays, reste tranquille, t'as son coup de fou. Reste tranquille, une banque, t'aimes pas te pianer. Porte un spring rose si tu viens chez moi pour piner. J'ai pas grandi dans la rue, je vais pas parler de street. À Libreville, tout le monde connaît la couleur de ton slip. J'ai pas de crédit, Manito, hein, pourquoi tu me piques? Je connais ce qui me persiste en ce sens. Je suis le fils du président Manimessa. Je reviens le Panama, on connaît ton Sissia. Je porte la même chapa que tu vas. Faut pas me faire ça. Anne Flox, c'est Manga, Manimessa. Et puis j'apprends le temps, on connaît ton Sissia. Comment la pépille à musique. Yo, là-bas le Kongek, on y croit la famille. C'est la débauche dans l'ambiance. Partagez massivement le live, s'il vous plaît. Vas-y, reste tranquille, hein. T'as reconnu le timbre vocal du sang sacré. Te remets ce matin. Bibi et musique, à l'approche, tu vas bouffer tes coups. T'as de dire que je viens mettre le niveau. Tu capes le pays, reste tranquille, t'as son coup. Reste tranquille, Bantem va te pianer. Porte un string gros si tu viens chez moi pour piner. J'ai pas grandi dans la rue. Je vais pas parler de street. À Libreville, tout le monde connaît la couleur de ton slip. J'ai pas crédit, Manito. Ah, pourquoi tu me bites? Je connais ceux qui ont percé en suçant des bites. Je suis le fils du président Manilessa. Je reviens de Panama, on connaît ton Sissia. Porte la même chaka que Booba. Faut pas me faire ça. Et toi aussi. Annie Flore, c'est Manga, Manilessa. Et puis je prends le ton. On connaît ton Sissia. Demande à Bibi et musique, pourquoi me faire ça? T'as dit quoi la famille? Ouais, c'est la débauche dans la bonne ambiance. Oh, oh Zavino. J'ai pas besoin de vampire pour avoir ton dossier. T'es en 6ème A et puis en plus t'es nul à chier. Ça y est maintenant tu passes les stages à l'hosto. Antano, à ton âge tu dames encore la masto. Tu as dit à tes parents que tu veux faire du rap. Étudier la pédophilie, c'est une carrière du rap. En tout cas, moi je suis là, je continue mon truc. T'as écouté mon son. Aujourd'hui tu viens jouer la pute. Je suis le fils du président Manilessa. Je reviens le Panama, on connaît ton Sissia. Pourquoi me faire ça? Annie Flore, c'est Manga. Et puis j'ai trop longtemps. Demande à Bibi et musique. Faut pas me faire ça. On continue. Ok. Oh Zavino. T'as eu zéro faute en dictée au bac. Et là en oiseau, c'est de toi-même que tu te manques. Ils se tuent entre eux. À la RTG, ça me fait rire de voir des mamans danser pour le PDG. Même à la présidence, on fume le chanvre. Il y a le stock dans ma chambre. Viens miner le terrain. Viens pour te casser les reins. Je suis le fils du président. Je reviens de Paname. Je porte la même chaka que Booba. Et toi aussi, hein. Oh, Annie Flore, c'est Manga. Et puis je troll le ton. Demande à Bibi et musique, faut pas nous faire ça. Oh, Mani, laisse-moi ton barat. Ça dit quoi, la famille? Débauche en pleine forme. Seigneur Jésus. Vous savez, hein, la famille, vous n'allez pas dire que le con-chef ne vous a pas averti. Nous avons commencé ce direct par rapport à ça, parce qu'il y a certaines révélations que je me suis dit que je ne peux pas garder ça pour moi, quoi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais avant, je vais d'abord faire le récapitulatif, car il y a plusieurs personnes, suite à notre live de samedi,
qui ont décidé de faire une propagande dans laquelle, pour eux, nous sommes venus parler de la vie privée des gens. Vous savez, hein, il y a des gens qui ont le lac spermatique dans la tête à la place du cerveau. On a compris une chose, c'est que dans le Gabon, là, l'histoire des placements, là, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'intérieur. L'histoire de la West Coast, là, il y a plusieurs personnes qui sont à l'intérieur. Moi, je vous dis ça clair et net. Hein. Les West, je ne suis pas votre ami. Demain ou après-demain, même le surlendemain, un West, c'est un maudit. Je ne pourrai jamais avoir de la compassion pour vous. Mais que vous décidez de faire de la West Coast, ça, c'est pas mon palabas. Mais que la West Coast devienne une condition pour accéder à un boulot, ça, je dis non. Que les placements que tu fais deviennent ton outil d'attirer les autres afin de faire les placements, ça, je dis non. Vous ne pouvez pas venir dire que c'est parler de la vie des gens. Oh, les Westés, là, entraînent déjà les autres à la West Coast avec des conditions. Les gros déplacements entraînent des gens, certaines filles. J'ai pas envie que ma nièce se retrouve dans les déplacements comme ça, ou ma fille, même si j'ai pas encore de fille. Mais nous, en Afrique, nous savons que nos nièces sont nos filles. Je vais tirer d'abord les oreilles à Morgane. Morgane, ma petite. Lors du samedi dernier, Stéphane Zeng et moi, nous sommes venus comme tes enclos. Mais Morgane, les gars là sont en train de te faire amener dans un jeu, hein, où samedi prochain, tu vas pleurer, Morgane. Parce qu'on ne va plus te prendre comme une victime. Or, toi-même, tu sais que tu n'es pas une victime dans l'histoire là. Toi-même, tu le sais. Hein. Et maintenant là, on va venir maintenant montrer aux yeux du monde. Parce que c'est ça en fait. On t'a protégé, mais je vois que toi, tu aimes tes bourreaux. Le monde, on va maintenant comprendre. Tu as vu quand tu parlais là, non? Ce qui a été enregistré là. On était Stéphane Zeng, ta mère, toi et moi. Parce que dès que j'ai senti ta bouche là, ma petite, tu mens trop. Donc maintenant là c'est plus le balcon chef a pris les audios de quelqu'un. Ou de quoi. Ce sera, on va t'écouter toi-même parler. Toi-même parler de ton dolo avec Tchambo. Même Eyogo qui est assis là-bas. Eyogo, Patrick Eyogo. Un papa, tu n'as même pas honte. En fait, c'est ça les gens qui nous gouvernent. Un ministre qui se fait malmener par une petite fille de 22 ans. Patrick Eyogo, il est là, un mougou. Il envoie les billets d'avion pendant que Mohamed Falbez, la petite au Sénégal, vous êtes trop dégueulasse. On va maintenant mettre ça tout avec ta voix, avec toi maintenant. Patrick Eyogo, mougou, hein, papa, le papa, le mougou. La petite là, tient le papa. Eh, Seigneur, quand les filles font les souffler dans les couilles les vieux deviennent bêtes. Il est maintenant là, le père. C'est pas le petit. Amifal, toi, tu es la sorcière des sorcières. Toi, là, tu, en fait, ML, je vois ML, on me dit ML bombe. ML, toi-même qui es là. Toi. Toi, tu es un exemple, toi, une petite Beninkouma. Une petite Beninkouma. Amifal, petite Saï. C'est vous là, toi, ML, tu parles. Ça me dit, tu vas venir là-bas. On va venir aussi te damer ton mot vert. Toi, ML, là, avec ta longue gueule comme ton quoi, là. Amifal aussi. Toi-même, c'est même plus, c'est plus à décrire. Tu es une boro, tu es une lesbibi. Tu fais le bon même temps. La femme de Frédéric Assita, toi aussi, il faut venir ici. Parce que tu souffres sur le tête de Sylvia Bongo. Et toi aussi, tu mets parfois le gold pour me beat, Frédéric Assita. Donc vos conneries que vous faites là-bas, mais vous venez imposer ça aux Gabonais. Donc vous êtes là parce qu'il y a plusieurs Gabonais qui ont genre le goût des bikes dans le Kwaïs. Vous êtes plusieurs. On vous met les cristaux de menthe dans le Kwaïs. Vous là, vous tous là. Vous êtes là en train de parler. Non, c'est pas la vie privée. Parce que pour trouver du travail aux Gabonais, pour donner du travail aux Gabonais, vous demandez aux Gabonais le Kwaïs. Vous êtes malade. Parce que maintenant aujourd'hui, on est en train de dévoiler ce que vous faites en cachette. Et vous voulez faire passer les gens pour les cons. Je vous ai dit là-bas, le Congo, ils ont passé à une propagande. Voilà pour dire rester serein. Ça fait même des années que je vous ai dit ça. Là-bas, le Congo n'est avec personne. Donc, ils vont faire leurs médias. Ils vont choisir leurs influenceurs. Ils vont choisir leur way. Là-bas, le Congo, restons serein. Restons serein. Le but, c'est quoi? C'est de détourner le Balocon chef de son objectif. Parce qu'ils se disent que Balocon chef, vous allez voir les pages. On voit ça maintenant, beaucoup de pages prennent une histoire fake inventée. Mais quand ils publient l'histoire inventée par votre artiste facochère, là, ça, c'est pourquoi? C'est pour que le balcon en chef tombe dans le piège. Pour que le balcon en chef s'énerve. Quand tu ne te reproches de rien,
et quand on n'a pas de preuves pour affirmer les dires, on ne s'agite pas. Quand on parle des choses, je vais vous faire écouter cette note vocale. Je vous ai bien dit que vous, le coup que vous me préparez là, vous voulez me tuer. On va écouter ça là maintenant là. Le coup, je vous ai bien dit que parmi vous, dans vos gens, j'ai mes gens. Voilà pourquoi les informations que vous cachez là, ça vient me trouver. Et là maintenant, vous êtes en train de chercher à comment me tuer. On va écouter ça nous tous ici là. Parce que même le grand frère Jonas Moulenda m'a appelé même urgemment en me disant que petit. Donc c'est maintenant ma vie, non? On va écouter votre plan que vous envisagez de me faire. Ça, vous allez comprendre que moi, le balcon chef, je ne suis pas votre ami. Même quand vous voulez faire les plans pour médailles, je serai, et ça veut dire, ça va faire en sorte que je vais prendre mes dispositions. Parce que ma vie, je vais mourir, hein, que quand le Gabon là sera libéré, c'est pas vous qui allez me tuer avant. Vous êtes des menteurs. Vos couilles et le couilles de vos parents. On écoute. Bonjour, mon frère balcon chef. Je t'écris depuis le Gabon. Je te fais cet audio depuis le Gabon. Je prends mes risques. Parce que on apprécie bien tout le travail que tu fais là-bas en France. Bandeko, mon chef, je travaille avec ces gens-là. Et je sais de quoi ils sont capables et ce qu'ils sont en train de mijoter comme coup pour en venir à ton élimination directe. Depuis que ça fait du bruit, ça transporte au niveau du palais avec Marc Tchango, le ministre Patrice Yogo et tous que tu perturbes. Noureddine, Bongo Valentin et sa mère. Ils se sont attachés les services aujourd'hui de Lionel Biambou et son grand complice de toujours, Fabrice Mabala, le fils de Martin Mabala, en complicité aussi avec Harry Sani Karine et son mari, qui veulent, qui ont gainé avec le patron de la GR. Parce que cette affaire-là, ça transpire au palais, les gens ont déjà mis des méthodes. Et comme Fabrice Mabala, le fils de Martin Mabala, il maîtrise tous les bangandos de France, tous les cartels de tueurs de France, que ce soit les Togolais, les Béninois, les Congolais, les Maliens, ils savent qui ils peuvent tuer pour te tuer en France. Et comme on l'appelle la Fabio, la Faba, la Fabio, Fabrice Mabala, et celui qu'on a mis derrière pour monter en France avec une équipe, pour te faire récupérer dans le 9-3, parce qu'il a même ses indiques dans le 9-3. Les Arabes et tous, les Congolais, les Maliens qui sont dans le 9-3. Ils vont te repérer et te finir ta vie là-bas. Et il y a un budget qui a été décaissé pour ça. C'est un game qu'ils ont gamé sur ta vie. Lionel Biambou, Fabrice Mabala, Karine Arifani et son mari. Ils sont sur un game sur ta vie. Fais attention là-bas, là où tu es en France. Ne fais pas confiance aux rebeux là-bas. Les gardes, les Arabes, là, tout ça, là, tous seront dans le Kim, ils vont être mouillés pour t'éliminer en France. Fais attention, mon frère, fais attention là où tu es en France, là-bas. Parce que ta tête est mise à prix et les gens ne dorment pas. Marc Tchango va mettre a mis de l'argent déjà. Noureddine a mis de l'argent pour qu'on finisse avec ta vie en France, qu'on te retrouve dans un canal mort. Fais attention, mon frère. Je te le dis parce que j'ai assisté à plusieurs reprises de réunions où ta tête est mise à prix. Et ils ont formé, ils ont compris que oui, parce que c'est Lionel Biambou qui introduit Fabrice Mabala étant comme l'élément qui connaît tous les réseaux et tous les recoins des cachettes en France. Donc fais attention à la communauté de là-bas, les Congolais, les machins. Non, fais attention, extrêmement attention parce que ta vie est en danger. Donc c'est ce que je pouvais te dire aujourd'hui. Vraiment, je le fais parce que le travail que tu fais de dénonciation, ça aide les consciences de tout un peuple. Sans toi, les choses ne marcheraient pas comme ça. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de prendre conscience maintenant du mauvais fléau, de la pédératie dans nos pays, et des crimes rituels, et tout qui va avec. Et toi, tu déranges beaucoup le système. Continue de faire ce que tu fais, mais sois prudent, parce qu'ils ont mis des équipes qui sont en train de monter. Il y a une équipe qui est déjà montée, mais les autres équipes sont en train de monter pour le travail de ton élimination directe. C'est ce que je tenais à te dire. Mon frère, merci pour tout ce que tu fais pour le pays. Le pays te sera redevable un jour. Mais il est trop tôt pour que tu puisses nous abandonner et mourir. Donc, mon devoir de citoyen gabonais est de te prévenir. Afin que tu fasses
code de prudence là où tu es là-bas. Je suis parti. Bonjour. Oui. Vous savez, hein, dans le game là, je ne suis pas dans le game là en train de rire. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que, ouais, le Badoukan chef, il cherche la visibilité, il cherche. La Badoukan gang dérange. La Badoukan gang fait transpirer la présidence de la République. Pourquoi la Badoukan gang fait transpirer la présidence de la République? Parce que la présidence n'a aucun monument, je dis bien, que ce soit artistique ou influenceur, qui peut impacter la jeunesse gabonaise. Ils n'ont personne. Même créole ne peut plus. En ce moment, c'est la Badoukan gang qui jig. Et comment laisser un jeune qui éveille les consciences continuer à jiguer? Voilà pourquoi ils s'en prennent à moi. Or, à chaque fois que je dis ça, quelque chose m'arrive, hein, je m'en fous. Parce que je sais que il y a des Badoukan qui vont rester derrière, les gars. Les gars, je vous dis ça en toute franchise. Hein. Le réseau des placements qu'on tape là, c'est parce qu'ils savent ce qui se passe à l'intérieur. C'est parce qu'ils savent ce qu'ils veulent mettre aux enfants, les gens à l'intérieur. Le réseau de la West Coast là, c'est parce qu'ils savent, c'est comme ça qu'ils veulent diriger la jeunesse de demain. Voilà pourquoi ça les fait du mal. En ce moment là, Tchango ne dort plus bien. Patrick et Yogo ne dort plus bien. Toute leur bande là, à cause de nous. À cause de nous, les gars. À cause de nous. Nous n'allons pas être cette jeunesse qui va avoir peur. Moi, donc, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de rien me faire. Vous êtes des blagueurs. Moi, donc, je n'ai pas peur. Venez me tuer en France. Venez me tuer, non. Je vous attends. Le tour là, hein, je vous attends. Vous allez essayer de m'organiser, non. Je vous attends. Je vous croyais que parce que vous allez me parler comme ça, que je vais me cacher dans ma maison, que je ne vais plus sortir, ou que je vais arrêter de parler. Mais vos couaches et le couache de vos parents. Parce que si je commence à avoir peur, je vais transmettre la peur là à mes Badoukans. Si je commence à trembler, je vais transmettre ça à mes Badoukans. Mes Badoukans ressentiront que le Badoukan chef a déjà peur. Et moi, avec vous là, je n'ai pas peur. Si mon jour arrive, je touche du bois, je pars. Il n'y a pas de souci. Mais si vous croyez que moi, donc, ça... Hé, Django, parce que toi, toi-même depuis hier... Il t'adore que tu as commencé à dire oui. Tes amis t'ont demandé lors de la réunion de porter plainte. Tu as dit, toi, Tchango, tu as dit, non, je vais organiser les gars. C'est lui me trouver dans un autre lieu. Vous me faites très attention. Même avec les gars avec qui tu me bites là, Tchango. Il y a les Badoukans dedans. Faites très attention. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas. Vous inventez des vices sur moi. Vous n'arrivez pas. En fait, vous ne comprenez pas. Vous voulez. Les pages gabonaises là, mes Badoukans, ils vont parler. Ils vont. La Badoukan gang, n'allez même plus liker ça. N'allez même plus. Ils vont même dire que j'ai eu à West un bébé. Laissez-les. Ils vont même dire que oh, j'ai on m'a West. Et laissez-les là-bas. Parce que c'est ça leur but. Ils veulent d'abord que je perde en crédibilité. Pour que vous vous dites, ah, il a pris une rice. Ah, il a tout un bébé. Ils vont se lever comme ça. Ils vont même fabriquer des choses. Ils vont même fabriquer les choses afin que la Badoukan gang se divise. Mais non, la Badoukan gang ne va être inébranlable, les gars. Le combat que je mène là, c'est pour nous tous. Hein, parce que je suis d'abord un jeune. Je ne suis pas là pour dire que je vais avoir peur d'eux. Les gars, organisez tout ce que vous voulez. L'audio là, et vos photos. Comment on voit les photos de toute votre bande là. Je vais prendre l'audio là. Je vous ai bien dit que le père de Manga, hein, c'est un cancan de... D'un gangman. Là, je quitte là. Je bouge chez lui déjà. Je dépose une main courante avec vos photos, vos têtes là. Vous tout là. Il y a la note là. Je dépose ça. Je dépose là, ça là-bas. Maintenant, juridique, comment c'est posé? Dans la street, hein, dans mon mapan. Je vous dis ça bien. Vous ne pourrez jamais. Eh, hey, Seigneur. Seigneur. Mon mapan, même que les niens n'arrivent pas à rentrer. Et pourquoi est-ce que m'organiser dans mon mapan? Oh là, les gars, là je vous dis. Vous arrivez à me taillam et me taille dans mon mapan. Oh, même quand je serai d'ailleurs, je vais vous applaudir. Je vais dire que oui, vous êtes fort. Tout ce que vous faites là, c'est l'intimidation. Vous n'allez jamais me payer. Écoutez-moi bien. Hein? Donc vous allez cogiter sur ça. Que, bon, bah, le camp chef, il parle là. Vu qu'il fume trop le chanvre là, on va venir. On va dire, tiens, les tiens de l'eau. Tiens, les... je ne vais pas prendre votre argent, même vos 100 francs. Si dans la liste des gens que vous voulez payer là, vous avez mis mon nom, hein. Bien, vous avez envisagé de me payer. Rayez mon nom, s'il vous plaît.
Rayez mon nom. Rayez mon nom dans la liste que vous allez constater que vous avez payé des activistes. Rayez mon nom. Rayez mon nom. Je ne suis pas votre parent. Rayez mon nom. Je ne vais même pas prendre un centime. Donc rayez mon nom. La personne qui va essayer de me contacter, je vais l'afficher. Donc rayez mon nom, sérieusement. Rayez mon nom dans l'histoire là. Parce que l'histoire là, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout de ça. On va voir si ma vie va partir. Je vais tomber comme ça, dire oui. Ah ouais, j'ai l'aïe. Boulouboka est mort. Martin Ouabou est mort. Red Jambé est mort. Si je meurs, où est le problème? Où est le problème? Beaucoup de Gabonais sont déjà morts pour le Gabon. Janky est mort pour le Gabon. Eloko est mort pour le Gabon. Si le balcon chauffe, je meurs. Où est le problème là? Y'a pas un problème. C'est pas un problème. Si je meurs, c'est pas que la balcon gang va mourir. La chair meurt, l'esprit demeure. Donc, vous allez tout me faire. Samedi, en fait, ce que vous faites là, vous me donnez encore la colère. Que samedi, quand je viens sur le live là, samedi, je dors encore sauvagement. Samedi là, je viens, je dors encore sauvagement. Vous allez, en fait, vous êtes en train de m'énerver maintenant de l'histoire là. Toi, Morgane, je vais venir aussi te damer. Toi-même, tu n'es pas victime dans l'histoire là. La tête de victime que tu as à faire là. Donc, je vais tellement te damer que Patrice Yogo, il aura mal à la tête. On va écouter ta propre voix, Morgane. Comment tu parles? On va écouter ta propre voix. Comment tu, Tchango, parles, tu parles de Tchango? On va écouter ta propre voix, on va mettre ça. C'est la première fois de ma vie que je mets les conversations. Parce que là, il est temps maintenant, comme vous voulez, jouer les stars. Tu es là sur Internet, tu joues les saintes. Pendant ce temps, tes baiseurs veulent me tuer. Hein, Morgane? Tes baiseurs. Tes besoins veulent me dire. Ton vieux Patrice Yogo, là, c'est même pas s'il doit, il boit le Viagra pour bander. Et Tchango, comme bougie le Kwaïs, c'est même pas s'il abat la bande. Ouais, pourquoi tu passes chez Mohamed et tous les petits gars qui te bitent à gauche, à droite. Ouais, Tchango, c'est même pas s'il. Quelqu'un comme bougie le Kwaïs, on joue dans son Kwaïs comme une gars. Quelqu'un comme Tchango. Tchango, tu peux être un homme viril, vous damer une gars sérieusement. Tu crois que tu peux encore damer une gars 4 coups. Tu peux faire ça. Même un coup, tu ne peux pas. Un coup, ça avec des doigts dans le quoi. On connaît votre technique là. Même pour Mbidenga, vous demandez, regardez-vous, mettre les doigts dans les quoi. Et vous voulez, pourquoi on va venir cacher ça. Vous dire que c'est vos vies. C'est pas vos vies. Vous prenez la vie là. Vous voulez transmettre la vie là à la jeunesse gabonaise. Vous voulez que les Gabonais trouvent ça logique. Que pour trouver le boulot, il faut ramasser les clés. Faut se pencher. Faut que vous les mbitez. C'est ça. Vous voulez dire que c'est la normalité des choses. C'est ça la normalité des choses selon vous. Vous voulez que ce soit normal, vous voulez étouffer ça, vous voulez dire aux gens, non, il faut qu'on étouffe, non, vous êtes des menteurs avec moi, ça va sortir. Et vous n'allez rien me faire. Parce que Marc Tchango, je ne vais pas m'occuper que de toi, je vais m'occuper aussi de ton père. Ton père est un mauvais Westo. Ton propre-père, Marc Tchango. C'est pas toi qui es là, tu joues les saints. Et ton propre-père, un mauvais Westo. Donc, pauvre gentil, qui ne connaît pas ton père, Tchango père, mauvais Westo. T'as aussi bite, aussi ML là, toi aussi, salope. Mauvais Westo, ton père, Tchango. Donc toi-même, Westo, ton père, Westo, c'est ça, le laboureur et ses enfants. Le Westé et son enfant, c'est vous. Travaillez, prenez de la peine. Travaille le Kwaïs, mon fils. Travaille, donne le Kwaïs, mon fils. C'est l'héritage là que ton père, Tchango, t'a laissé. Et tu crois que tu as une transmettre au Gabonais, Marc Tchango. Au lieu d'envoyer les gens. Mais tu es un homme, non? Tu es un homme, non, Marc Tchango? Tu arrives en France quand tu veux, non? Mais viens! Je dis bien que toi, je ne me bats même pas avec toi, Marc Tchango. J'envoie ma petite sœur. Je m'assois parce que je ne tape pas les gars. Toi, je te considère comme une gars, Marc Tchango. Tu es une gars. On te bousille au quoi? Tu es une gars, Marc Tchango. Je te dis ça aujourd'hui, demain, après-demain. Porte plainte, tu es une gars. Viens, je te torche comme une gars. Tu mets les cymbales comme une gars. Donc, à tous les niveaux, devant mes yeux, tu es une gars, Marc Tchango. Patrick Yogo, tu es un papa mougou. Patrick Yogo, tu es un mougou. Toi, Morgane t'appelle, que tu cours comme un con. Toi-même, tu sais qu'on baise, la petite là dans la maison. Elle a arrivé même les photos de Daniel Munger. Elle a arraché ça au mur pour mettre ses photos. Tu es comme un vieux con. Un vieux con. Tu es là, tu es assis. On bidanga partout. Tu es là, tu veux même marier. Tu veux marier une choulasse. Tu es là comme un con. Un papa. Un papa. C'est quoi? C'est le Viagra là, qui te fait ça. Patrick Yogo, c'est le Viagra qui te dépasse la tête. Un père de famille. Tu n'as même pas arrivé, tu n'arrives même pas à te concentrer. C'est une petite fille de 22 ans qui me bite partout. Et toi, ministre de ton état,
Tu n'as pas honte, tu cours derrière la petite là. Tu achètes la Jeep. Tu cours derrière. Tu es là, tu es là. C'est juste que l'enfant là t'attache même. Elle te fait une soumission dans la maison. Mais quand la manière dont tu te comportes là, Patrick Yogo, c'est comme si la petite là te mettait même les trucs que les petites là font aux chiens là. Quand tu mets la chaîne, allez, mets-toi à genoux là. À boire, oui, 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 oui. Allez, rampe jusqu'à mon tonne. Oui, oui, oui. C'est bien les délires là que la petite là te fait là-bas, que toi, Patrick Yogo. Et maintenant là, vous voulez quoi vous unir. Daniel Menge. Daniel Menge. En ce moment là, Daniel Menge, fais très attention. En ce moment là, Morgan, Amifal et les jumelles sont en train de préparer un mauvais dossier sur toi. Daniel Menge, en ce moment, Morgan, Amifal et les jumelles sont en train de préparer un méchant dossier sur toi. Parce qu'ils vont vouloir, anéantir l'histoire de Morgan là et d'Ameta. Parce que Morgan, tu y as dans ton audio où tu dis, tu as enregistré, on va écouter ta voix, où tu dis que Amifal, c'est Amifal, c'est pas Amifal, c'est Daniel Menge qui t'a amené pour faire la première fois les placements, tu avais 12 ans. Donc Daniel Menge, samedi ça va sortir ici là. Soit Morgan a raison, que c'est toi qui as emmené la petite à 12 ans. Aller faire les placements à 12 ans la première fois. Parce que Morgan dit, c'est toi, hein, Daniel Menge. Moi, je te répète bien, c'est ce qui est dans le contenu, avec la voix de Morgan. Que c'est toi qui l'as emmené faire les placements à 12 ans. Donc là, ça veut dire que c'est toi, elle enlève Amifal pour te dire que c'est toi. Donc, Daniel Menge, si toi-même tu ne réagis pas, c'est ça que les Gabonais vont comprendre. Hein, parce que là, ils sont en train de t'organiser. Là, en ce moment-là, Amifal, les jumelles et Morgan vont t'organiser. Morgan, Amifal, Daniel Menge, la petite Morgan dit que quand elle marche dans Libreville, toi tu la suis, oh. Tu suis la petite là avec genre, tu la tchouk. Elle dit qu'elle arrive pas, quand elle conduit la voiture ou quoi, tu es derrière comme Fast and Furious. Que tu suis la petite là partout. Tu traques l'enfant partout, Daniel. Elle dit ça, qu'elle est fatiguée de toi. Tu traques partout. Tu deviens comme le FBI. Donc Daniel Menge, toi-même, le live sera ouvert. Tu vas écouter. Si tu veux répondre, il y aura un numéro. Tu appelles pour venir répondre. Parce que si tu ne réponds pas, le Gabon entier saura que tu es schizophrène. C'est toi qui as la reine des placements. Parce que là, maintenant, tout le monde va venir parler. Et encore des invités surprises qui viendront samedi. Parce que samedi, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Comme vous avez voulu faire ça, même toi, Morgan, on t'a pris en tant que nièce. Parce qu'on a le respect pour ta mère. Je vois que même toi, Morgan, toi, tu es qui pour vouloir me mettre les doigts dans le couaise ou mettre des doigts à Stéphane Zeng dans le couaise? Tu es qui pour vouloir nous mettre des doigts dans le couaise? Maintenant, là, vous êtes dans les marches, on veut te faire passer pour une victime. Oh, toi-même, tu es la plus grosse bordel. Bordel est impoli. On va écouter tout. Donc, enlevez Morgan comme victime. Hein. Vous allez l'écouter elle-même parler. Enlevez Morgan comme victime. Elle est victime de rien, là. C'est la bordellerie. Elle a les yeux plus gros que le ventre. Elle n'est pas une victime quelque part. On a voulu faire le premier live pour conscientiser. Je sais qu'il y a d'autres qui étaient avec nous. D'autres ont approuvé pour dire que oui, on a conscientisé les enfants. Mais la petite là n'a pas envie d'arrêter. La petite là a des projets de continuer. Et moi, je ne vais pas laisser l'enfant là continuer à pervertir mes gens ou pervertir mes petits frères, mes petites sœurs. Je ne vais pas laisser Tchango de l'autre côté avec les jeunes premiers donner les couilles des enfants. Retour là. Vous allez envoyer, hein, Poutine me tayam. Donc vous ne faites pas le poids. Vous n'allez jamais faire le poids face à moi. Pire encore, là-bas, le compte gagne n'est pas encore dedans. Hein. Moi, la bande d'Orian, vous n'avez pas fait le poids. Ben, imaginez, quand la bande compte gagne. vous n'êtes pas encore prêt. Moi, là-bas, je vous fais. Imaginez la bande compte gagne. C'est moi, là, je vous fais l'indem. Seul. Vous paniquez. Mais imaginez que j'implique la bande compte gagne, que bim. Oh. Les gars, samedi, c'est objectif, 30 000 personnes connectées. On a pu y en approuver, là. Les gars, 30 000 personnes connectées. On n'est plus là pour blaguer avec eux. Ah ben, quand même, samedi, là, c'est vous. 30 000. On va voir quel artiste on va encore inviter, là. Vu que vous ne voulez pas payer les artistes, nous, on va faire des shows où on va payer les artistes. Nous-mêmes, on va payer les artistes. Ils vont venir. On va voir, mais pas les artistes qu'on labelliste. Non. On n'est pas aucun concert d'entrée de direct. On va dire comme ça, hein. Nos directs de la gloire. Dorénavant, seront faits avec des artistes. Mais pas les artistes qu'on labellise sur PDG. Cherchez les bons petits artistes là-bas. Là, ils vont venir chanter. Comme vous avez vu comment l'oiseau a inédit. Hein, premier dit gars que là-bas, le Kongeng. Direct avec un concert live. Un concert live VIP. Pour qui? Pour mes balcons. Et puis vous voulez parler. Là-bas, le Kongeng.
vous jiguez le game là mieux que moi. Vous êtes plus fort que moi. Vous êtes plus nombreux que moi. C'est vous les meilleurs. Ils vont venir avec toutes les propagandes. Je ne veux pas voir un bas de con qui me tague dans les conneries. Parce que tout ce qu'ils veulent faire là, ils veulent me distraire avant samedi. Parce que tellement vous allez partager, tellement vous allez me taguer. Il y a les pages qui veulent les machins. Voilà, le petit con là. Aujourd'hui, il est content, il a eu le 1 million de vues. C'est bien. C'est-à-dire que nous, là, bah, le con, on donne. Il fallait qu'on parle du bas de con et puis les vues sont augmentées en 2 ans. Donc, c'est normal. Maintenant, là, pour l'instant, nous, on est concentré sur samedi. On est, la marque de fabrication est terminée. L'usine Made in Badocon est terminée là-bas, là. Là, on ne fabrique personne. Ils peuvent me taguer. Ils vont même dire, oh, j'ai daï telle personne. Oh, j'ai fait telle line. Oh, la personne qui dit là va venir avec des preuves palpables. Tu n'as rien, tu ne dis rien, tu ne me fatigues pas. Ne me taguez pas. Ne me taguez pas pour les conneries. Les aigles ne volent pas avec des pigeons. La Badocon gang, nous sommes des aigles. Il n'y a personne qui nous jigue dans le Gabon, là. Il y a autant qu'ils sont, que ce soit les pages, oh, même les pages de la présidence, oh, même les machins, oh, même les petits, je vois les petits blogueurs affamés là, qui viennent venir parler de nous là. Les gars, regardez, pendant que les gens sont au boulot, on fait des plus de 4000 personnes. Et là, les gens sont au boulot. Imaginez-vous, on fait de live la nuit. Le quota de 1000 personnes, on fait 1000 personnes jusqu'avec la chaise. Vous nous montrez l'impact. Si vous ne vous respectez pas, voilà pourquoi je vous respecte. On fait 1000 personnes connectées juste avec la chaise. 1000 personnes connectées juste avec la chaise, les gars. Si vous ne vous respectez pas, moi je vous respecte. Et le tour là, on va faire ça propre. On va monter aux 30 000 personnes. Vous allez faire ça, la famille. J'ai confiance en vous. Allez, bon, bougez vos croissants. Moi je bouge d'abord, déposer ma plainte. Comme les gars là, ils veulent m'embêter. Ils vont voir. Hein? Et voilà, le colonel, vous avez vu. Vous voulez là, le bon fils du colonel. C'est le bon fils du colonel. Tchango, laisse. Laisse, évite les problèmes. Tchango, laisse. Oh, casson beau-père est vraiment trop dingue. Et vous voyez que bon, vous voulez laisser mon fils orphelin de père. Hein? Vous laissez mon fils orphelin de père. Mes fils sont orphelins de père. Mais vos sales couilles, je vais être là. Juste comme c'est même vous qui allez même vous gaver au moins du monde là. Vos sales couilles. Allez, bah, le con, le go.